Hey, salut tout le monde, c'est Laser et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Hype Escape 3, rien d'impressionnant donc. Alors on est tout de suite parti dans le téléporteur pour aller dans les singes en Antarctique. Alors, quelle originalité, hein, justement il neige dehors et on se fait un monde dans la neige, donc bon, pourquoi pas. Très singe, on va essayer de faire vite parce que bon, j'ai quelques problèmes en ce moment de timing dans ma vidéo, donc bon. Et je me rappelle qu'un jour j'ai eu un bug chelou dans ce niveau avec une des invocations finales du jeu. Enfin des invocations, n'importe quoi. Une des transformations finales du jeu. Je me souviens plus trop comment j'avais fait par contre, mais ça avait déformé mon filet, c'était assez sympathique à voir. Viens là toi. Il va commencer à mettre... Les singes ils commencent déjà à être chiants là. Ah voilà. Voilà, donc j'actionne le bouton et directement ça fait un petit peu naufrager le bateau. Oui, naufragé le bateau, ça se dit. Hein. Voilà. On peut entendre aussi la musique assez calme et douce. Voilà. Que je tombe pas dans le vide, hein, parce que... Oui, ça caille, justement. Oh, on peut remarquer aussi que la glace est très bien faite. Oh là. Et que les singes sont toujours aussi agiles, bordel. Oula, 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 je vais... Ouais, c'est bien ce que je pense. Je me suis trop fait de boutons. Non, non, je vais pas commencer à crever, là. Alors, je vise bien les singes. Parce qu'il faut que je fasse vite en plus, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec... du temps en moins. Voilà. Oh mais bordel. Oh là, oh là 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 là, du calme. Oui, ça glisse, hein, vous l'auriez pas remarqué, mais je pense que vous l'avez compris. Ta gueule toi. Oula. Voilà, où est-ce qu'il est, ça. Il est où, bordel? Ah, il est là-bas. Putain, il se casse, ce connard. Oh merde. Mais bordel, comment j'ai fait pour pas retomber sur le bateau? Oui, voilà. Oh mon dieu, faut que je saute. Oh, j'ai eu chaud. Voilà, maintenant faut... Voilà, je me sentirais plus à l'aise comme ça. Voilà, merde, 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 arrête. Bon, pour le moment, ça va plutôt mal. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Voilà, lui on le chope de vite fait. Il s'appelle Kevin en plus, le pauvre, il a pas dû avoir une vie facile. Enfin bon, c'est pas grave. Continuons joyeusement et heureusement. Oui, ça se dit heureusement. Là. Oh là. Aïe, putain. Mais j'ai plus qu'une vie déjà, faut que je fasse super gaffe. Je sens que je vais jamais survivre dans ce niveau plus longtemps. Alors, il va falloir que je fasse gaffe de pas crever. Putain, non. Je sens que je vais me rater en sautant dans le bateau, faut que je fasse super gaffe. Ouf. Je suis en vie. Oui, le bateau aussi, c'est plutôt simple à contrôler. Hein. Mais le pire dans ce jeu, c'est vraiment l'espèce de robot là. C'est incontrôlable ce truc. Oui. Oui, voilà, viens la Dane. Non, aussi chelou. Hein. Ouais, pourquoi pas. Oui. Oh, j'ai réussi à monter dedans, j'ai eu peur. Le mec qui a du mal à monter dans un bateau, quoi. Ouh, j'ai flippé, j'ai failli retomber à côté. Là. Elodie dans la capture de speed. Ah, une vie, ça fait du bien ça. Il me semble que là on va se fêter contre un éléphant. Ouais, c'est là qu'on va se fêter contre un éléphant. C'est bien ce que je pense. Allez, no problème, moi je vais le dégommer avec les ninjas. Ouais, les ninjas c'est un petit peu la vocation shed, enfin la transformation shed du jeu. L'invocation, faut que j'arrête de dire ça moi. De toute façon vous le voyez bien là comment je suis en train de maraver l'ennemi. Faut que je fasse gaffe quand même. Oh là, oh là là là. Ouais, bon, je vais aller chercher des vies, il y en a peut-être dans le coin. Ok, ok, non moi je veux des vies s'il te plaît. Moi je crois que je vais me faire dégommer, il y en a pas. Putain. Bon, faut que je tue le... Attends, je flippe, j'ai pas envie de crever. Ok. Bon, c'est pas grave, on revient juste devant normalement. Oui, on peut pas zapper la cinématique, c'est relou, vas-y. Oui, ok, si tu veux, allez. Alors, ouais, allez. Cowboy, on va lui dégommer la gueule. Ah, tu peux rien faire, là, hein, comme merde. Tiens, prends ça. Prends le gourou de mes balles. Ah, par contre, c'est un peu long, j'aurais peut-être pas dû prendre ça, finalement, comme transformation. Bon, s'il pouvait se grouiller et se crever, là, ça serait sympa.
Ouais bon, il crève un jour là. C'est quand il veut. Ah ouais merde, j'arrive à la fin en plus. Aïe. Allez, j'aimerais bien le finir comme ça. Voilà. Bah il voit quand il veut. Allez, on se dépêche. Plus il me semble qu'il y a deux singes là-dedans. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mariko. Et son copain. Bon, si j'arrive à le choper, voilà. Boliko. Mariko et Boliko, hein, pourquoi pas. On récupère un peu de thunes histoire de devenir riche. Déjà 5 minutes 30 environ d'enregistrement. Ok, pourquoi pas. Ah bordel. Mais vite. Il me semble qu'il y a un singe à un endroit, voilà, d'accrocher là. Énorme. On voit son petit calcium là, il est un peu mal en point. Donc on peut le taper si on veut, je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça sera plus simple comme ça de le choper. Il est un peu mal en point après, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça nous arrange. Et il s'appelle Ellie en plus. On va lui savoir pourquoi. Hein. Oula, du calme. Alors lui, je vais essayer de le pécho dès que j'arrive, c'est sympa. Vite. Oui. Merde, oui, je l'ai eu. On va pas se faire chier, on y va en grugeant un peu par les côtés. Il me semble qu'il y a un singe là-dedans. Voilà. Alex. Ah, c'est un nom plutôt humain pour un singe, ça. Hein. Là, il me semble qu'on peut voir un singe de Père Noël à cet endroit-là. Ok, vous l'avez pas remarqué, il y a un bouton là-haut à actionner. Il me semble que c'est ça qui fait venir le Père Noël. Je suis pas sûr. Ah bah oui, si, justement, c'est ça. Donc on va aller capturer le Père Noël, attention. Il me semble qu'il y a aussi des singes dans les cadeaux qu'il a déposés. Je vais bien voir ça. Alors voici, en plus, il me semble qu'il est plutôt balèze, le Père Noël. Hein. Oh, ouais, c'est bien ce que je pensais. Enfin, bon, avec une invocation, on pourrait le... Enfin, une transformation. On pourrait le pécho en 2 secondes. Sanouk. Ah, merde. J'avais besoin du Père Noël pour le... Bon, pas grave. Pour la caméra. Oh, oui. Ça fait du bien, ça. Oui. Voilà, donc j'ai capturé tous les singes du niveau. Ah, bah, c'est bon. On en a qu'à 7 minutes pour le moment. Je suis tranquille. J'ai plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de boss à la fin du prochain niveau, sinon je serais un peu de la merde, hein, mais bon, c'est pas grave. On est des killers. Et donc mon Titanic, c'était un petit clin d'œil au Titanic. Là, ok, pour le moment tout va bien. Alors le prochain monde... Oh non, il y a un boss à la fin du prochain monde. Putain, je fais comment maintenant, moi? Je vais pas déjà m'arrêter ici. Bon, je vais aller acheter des trucs. Je pense que je vais m'arrêter là parce que bon, je vais faire quelques petits achats. Ensuite, on va s'arrêter ici. Ça aussi, j'en aurais besoin, tiens. Oh, j'ai encore assez. Ouais, ça me sert totalement à rien de l'avoir autant, mais bon, voilà quoi. Au moins, après, on a la classe. Ouais, voilà, j'ai oublié de montrer ça aussi. On peut acheter des voitures. Donc c'est genre, on pourra changer l'interface de notre voiture. Après, pour aller plus vite, moins vite, etc. On peut acheter des jeux aussi, mais bon, les jeux, voilà quoi. Je les montrerai sûrement dans la vidéo bonus où je montrerai tout. C'est bon. Ouais, les livres, ça aussi, faut que je les achète. Bah, j'ai pas assez de thunes. Non, merde, attends, c'est quoi? Non, c'est les livres d'astuces, voilà, que je dois acheter. Ah bah, je sais ce que je peux faire en attendant. Enfin, je vais le faire une fois, histoire de vous montrer. Donc, je vais vous montrer comment ça fait quand on rentre un code. Donc, genre, vous savez, j'ai acheté des livres d'astuces. Et... Voilà, livres d'astuces. Et il y a certains livres d'astuces qui nous filent des codes. En l'occurrence, voilà, ces deux-là, par exemple. Ils nous filent des codes. Donc, ils nous filent 2 NT-man et ils nous disent qu'il faut aller le rentrer dans le dans l'écran de titre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais noter le code quelque part. Voilà, j'ai un petit papier. J'écris 2 NT. Oui, je préfère le noter au cas où j'oublie, hein, parce que bon, Dazer il est sympa, mais voilà quoi. Ensuite, Blackout. Voilà, c'est bon, c'est noté. Ensuite, on va pouvoir aller à l'écran de titre.
Alors, pas besoin de sauvegarder normalement. Ah ouais, quand même, je préfère sauvegarder au cas où, on sait jamais. Voilà, comme ça je suis toujours sécurisé. Si j'ai un petit blème, alors fuir. Normalement on craint rien si on quitte comme ça. Je préfère au cas où. Alors comment on fait déjà pour montrer un mot de passe? Putain, j'ai oublié comment on faisait, merde. Oh merde, quel con. Bon, je crois qu'on va faire un nouveau jeu et rentrer. Non, je suis pas sûr. Je suis plus sûr du tout. Putain, il y avait peut-être un bouton. En plus, je suis sûr que c'était expliqué dans les livres d'astuces. Merde, quel con. Oh putain. Bon, je vais essayer de les écrire dans le nouveau jeu, histoire de voir. Alors, 2 Enderman. Si c'est pas là, j'aurais l'air con, hein. Je le sais, mais c'est pas grave. Merde. Mais putain. Voilà. N. D. Ensuite, man. Je sens que ça... Non, c'est bon, c'est pas ça. Ça va me faire débuter le jeu si je fais ça, donc je vais retourner voir comment on fait pour les... Pour les codes où c'est, faut la rentrer. Hein. Oui, je sais, je perds un peu de temps pour rien, mais bon, voilà quoi. Je m'en excuse, mes amis. Alors normalement ils nous disent où est-ce qu'il faut. Comment on fait apparaître le menu. Attention, nanana, mot de passe. Voilà. Appuyez sur la touche L1, L2. Merde. L1, L2, R1 et start simultanément l'écran de titre pour pouvoir ouvrir l'écran de mot de passe. Voilà, donc fallait faire ça. Donc bon, j'ai bien fait d'aller vérifier quand même. Maintenant je vais aller rentrer. Hein. Donc ça c'est juste pour faire apparaître les singes, là. Je vous le montre une fois, mais les autres je les ferai hors vidéo, hein, parce que c'est totalement inutile. Alors, 2 Enderman, maintenant je peux le rentrer, merde. Si je me gourde de bouton, ça va pas le faire. 2. D. Mot de passe incorrect. Mais c'est quoi cette merde? Mais c'était le bon mot de passe. Bon, on va essayer Blackout. Merde, attendez. Ah ouais, bah oui, il est là, elle, qu'est-ce que je raconte. Merde. Eh, hey, mais ça va pas valider mon A. Ah. Merde, putain. Voilà, chaque fois je me paume dans cette touche. Togodoglum. Le T. Voilà, bravo, le gourou nourrit lancé. Non, maintenant ça m'a déverrouillé le singe dans le jeu. Donc je vais réessayer de Enderman parce que je suis sûr que c'était bon le mot de passe. J'ai pourtant bien noté. Désolé, je perds beaucoup de temps avec, ça, mais bon, voilà quoi. C'est histoire de caser un petit peu plus long de la vidéo, et puis voilà quoi. Comme c'est totalement inutile de le faire devant vous, bah je le fais une fois, comme ça vous verrez comment ça marche les mots de passe. Et puis comme ça j'aurai pas besoin de vous le remontrer, et puis bon, le reste des mots de passe, de toute façon je le ferai en vidéo, hein, je le dis haut et fort. Merde. Le N. Mot de passe incroyable, bon ok, il veut pas. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais m'arrêter ici. De toute façon, vous avez compris le principe de base. Hein. On va voir les mots de passe dans le jeu, ensuite on va les rentrer pour débloquer les singes dans les niveaux. Ça débloque qu'un singe à chaque mot de passe. Hein. Donc je vais juste avant aller voir ce que c'était l'erreur de Enderman. Ok, fallait faire un espace. Donc je pensais pas que ça prenait en compte les espaces, j'avais un petit trou de mémoire, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici. Hein. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je me serais fait qu'un niveau, c'était pas très intéressant, désolé. Hein. Et je vous dis à plus et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.